Exilele omului, la-la-la-la-la-la, ca frunzele pomului, la-la-la-la-la-la. Duminică 30 octombrie au avut loc alegerile prezidențiale în Republica Moldova și în circumscripțiile electorale din diaspora moldovenească. Niciunul dintre cei 8 candidați nu a întrunit majoritatea absolută a sufragilor. Un al doilea scrutin va fi necesar pentru ca noul președinte al Republicii Moldova să fie ales. Principalii candidați, Maia Sandu, exponenta integrării europene, și socialistul Igor Dodon, au obținut 38,43 respectiv 48,23% și se vor confrunta în al doilea tur de scrutin pe 13 noiembrie. Dorința de schimbare a fost unul dintre motivele participării la primul tur de scrutin. Conform Comisiei Electorale Centrale, au votat 1.436.000 de cetățeni, rata de participare fiind aproape de 49%. Cea mai ridicată rată de participare, de 54%, a fost la Chișinău, unde au votat 352.000 de cetățeni. Candidatul socialist a obținut cea mai ridicată rată de susținere, peste 90%, în regiunea autonomă Găgăuză. La Chișinău, capitala Moldovei, Maia Sandu, lidera Partidului Acțiune și Solidaritate, a obținut 48,6%, iar socialistul filorus Igor Dodon 41,97%. Diaspora a votat masiv în favoarea liderei PAS, Maia Sandu. Participarea diasporei a fost cea mai importantă în Italia, 21.900 de votanți, urmată de România cu 9.440, Franța 5.139, Rusia 4.578 și Marea Britanie cu 4.000 de votanți. La București, 90% dintre votanți au susținut-o pe Maia Sandu. La Montreal, votarea s-a desfășurat la centrul comunitar Côte de Neige, unde au fost înregistrate aproape 2000 de voturi, din care 86% au fost în favoarea Maiei Sandu, cuvintele care circulau pe buzele tuturor fiind speranța de mai bine. Am venit la vot cu gândul ca să facem schimbări în Republica Moldova. Eu, când m-am pornit de acasă, am zis că la noi deja nu e așa de rău unde stăm aici în Canada. Dar păcat dacă nu votăm, păcat pentru cei care stau acolo. Indiferent unde ne-am aflat, în Basarabia, în România, în Canada, întotdeauna venim la vot cu speranță spre mai bine, spre schimbări. Că am plecat din țară nu pentru o viață frumoasă și avem speranța că să avem un președinte bun, un președinte care să îndeplinească dorințele poporului. Sper că a făcut o alegere perfectă pentru țara noastră aici, din Montreal, și cei de acasă la fel, ca să avem un rezultat unic, comun, pozitiv. Toată lumea așteaptă o schimbare. Absolut. Este dezideratul numărul unu. Asta e ce ne dorim cu toții. Probabil că a și fost un motiv pentru care mulți au părăsit țara, au fost nevoiți să plece în străinătate, pentru că nu s-a mai putut trăi, lucra în țara noastră de baștină, și asta este ce ne dorim astăzi. O schimbare spre bine. Noi avem părinți și frați și prieteni în țară, pentru care contează foarte mult conducerea care urmează să vină și care urmează să facă schimbări majore în țara noastră. Așteptăm o viață mai bună pentru cei de acolo, așteptăm rezultate mai bune pentru noi, cei care urmăm să revenim în țară, să ne vedem părinții, și cam asta. Sperăm să nu ne dezamăgească candidatul pe care l-am votat astăzi. Al doilea scrutin, prevăzut la 13 noiembrie, se anunță unul strâns, la care moldovenii sunt chemați să aleagă între exponenta integrării europene, Maia Sandu, și socialistul prorus Igor Dodon. Bună ziua! Vom avea astăzi în studio invitat pe domnul avocat Jean Cante. Va fi prima ediție în franceză. Sperăm că o veți aprecia. Bonjour! Alors, aujourd'hui, nous avons invité dans notre studio maître Jean Cante, un avocat de grande expérience, plus de 30 ans, spécialisé dans plusieurs domaines, parmi d'autres le droit familial, le droit commercial et le droit de l'immigration.
Monsieur Quentin, bienvenue dans notre studio. Bon aziwa, monsieur. Ben, hein, ça va bien. Voilà, ça se voit que vous avez déjà appris quelques mots en roumain. Quelques mots, oui. Oui. Monsieur Quentin, oui. Nous allons commencer notre discussion par apprendre un petit peu plus de qu'est-ce que c'est un avocat, qu'est-ce que c'est la profession d'un avocat, les défis, qu'est-ce qu'un avocat peut amener de bon dans notre société moderne. Voilà, vous avez commencé votre carrière il y a plus de 30 ans, mais qu'est-ce que vous a mené vers cette carrière? Je venais d'une famille éclatée. Mes parents venaient de divorcer, j'avais 16 ans. Alors, c'est là que j'ai pris la décision de vouloir devenir avocat afin de défendre la veuve et l'orphelin, comme on dit. Et c'est ça, j'ai fait mon cours à l'Université d'Ottawa et j'ai étudié, bon, comme vous le savez sûrement, c'est le cégep, c'est un bac ou une licence en droit de 3 ans, et après ça, les examens du barreau qui duraient 1 an et un stage de 6 mois dans un bureau d'avocat pour recevoir, être capable d'être reçu avocat. Est-ce que vos parents vous ont encouragé de suivre cette carrière-là? Oui, ma mère. Ma mère m'a encouragé, oui. Ma mère espérait que ses 4 enfants se rendent jusqu'à l'université. Ben, en fait, elle a réussi, là, malgré le divorce. Mais c'est ça. Et quand j'ai commencé... écoutez, on risque toujours de prendre le chemin où on a commencé. En fait, c'est le stage. Et j'avais des patrons qui faisaient beaucoup de civils, de droit civil. Alors, j'ai commencé avec le civil et beaucoup de matrimonial parce que malheureusement, au Québec, les divorces sont très à la mode. On dirait que c'est un bon marché pour vous. C'est un excellent marché. C'est un excellent marché. Je vous dirais que depuis plus de 30 ans, c'est 50% de ma pratique, c'est les divorces. Malheureusement pour les gens, heureusement pour les avocats. Mais voilà. Et j'ai commencé, c'est ça. Et j'ai commencé à faire des migrations il y a plus de 23 ans, en 1993. Et j'ai trouvé que l'immigration, c'était beaucoup plus humain. J'ai commencé à faire des cas de réfugiés, puis après ça, ben, de l'immigration, ce qu'on appelle l'immigration légale, mais des parrainages, etc. Et je trouvais que c'était plus valorisant. Exemple. Comme expérience humaine. Oui, ben, pour moi, comme avocat. Les conséquences aussi, à très long terme. C'est ça, en fait, tout ce qui s'ensuit. Quand tu fais accepter, quand je faisais accepter quelqu'un ici au pays comme réfugié, je trouvais que c'était plus valorisant que gagner un dossier, même à 100 000 $ à la cour, là. L'immigration était... Je trouvais ça vraiment plus intéressant et valorisant. Vous êtes avocat à votre propre compte depuis toujours ou... J'ai fait mon stage et après ça, j'ai été associé à l'époque chez Bouchard et Associés de 85 à 94, si je me rappelle bien. Et après ça, quand le bureau s'est dissocié, je suis parti à mon compte. Alors ça fait depuis 94 que je suis à mon compte. C'est quelque chose de très spécial, être à son compte, en fait, ça demande un profil spécial, peu importe le domaine. Vous auriez pu travailler dans une entreprise, oui, à un moment donné, ou pour le gouvernement? Je pense, oui, mais ça, c'est peut-être le fait d'avoir vu mon père qui était à son compte, qui n'était pas avocat, mais qui était architecte, lui, mais qui a passé sa vie à son compte aussi. Je me voyais pas vraiment travailler dans un ministère ou même dans un gros bureau d'avocat. J'ai eu des offres à l'époque et je me voyais vraiment à mon compte. Ça vous dérange pas de courir après... courir après les clients pour se faire payer, courir après les clients pour en avoir. Des fois, oui. Oui, je vous dirais que même après 31 ans de pratique, c'est extrêmement stressant des fois. Parce que la pratique, c'est pas linéaire. Hein? Alors, il y a des mois... Oui, il y a plus de divorces. Oui, exactement. L'été, comme cet été, l'été 2016, c'était mort. Là, ça a été très tranquille. Depuis un mois, c'est reparti. En septembre, ça a commencé à repartir. Là, les téléphones, ça n'arrête pas et tout ça. Alors, on s'habitue difficilement à ça. Il faut avoir les nerfs pour ça. Ça demande alors un profil particulier pour... Peut-être, mais écoutez, je pensais pas, j'avais pas ce profil-là à l'époque.
parce que j'étais quelqu'un qui cherchait la sécurité et la tranquillité. Puis regardez, ça fait 31 ans là, que je suis, c'est ça, ben, principalement à mon compte. Là. Alors, je pense que qui veut, peut. Ça, c'est un peu comme à l'époque, quand j'ai commencé en 85, on disait que c'était saturé pour les avocats au Québec. Nous étions 6 millions d'individus au Québec et 6 000 avocats. Aujourd'hui, on est environ 26 000 avocats et pour 7 millions de personnes. Alors, on est 4 fois plus d'avocats qu'à l'époque et il y a juste 1 million de personnes qui s'est ajouté à la population québécoise. Peut-être le contexte est changé, il y a plus aussi. De problèmes aussi. Mais je pense que le commercial aussi amène beaucoup. Oui, l'immigration a apporté beaucoup de dossiers aussi, heureusement pour nous. Mais je pense que les jeunes qui veulent s'en aller dans ce domaine-là, si c'est vraiment ce qu'ils veulent, peuvent réussir. Faut pas lâcher. Pour un jeune qui aimerait embrasser cette carrière-là, mais c'est sûr que là, quand on est aux études, nous n'avons pas une très bonne idée de qu'est-ce qu'on veut faire dans notre vie. C'est difficile de choisir. C'est vrai, c'est difficile de choisir. Mais quelques qualités de base, quand même, devraient inciter un jeune d'embrasser cette carrière-là, que ce soit comme employé ou à son propre compte. Quelqu'un qui a la parole facile, je pense, en partant, ça aide beaucoup. Mon épouse dit toujours qu'on est tous un peu, les avocats sont tous un peu comédiens. Alors, je pense qu'effectivement, c'est vrai, les avocats ont tous un petit côté artiste. Je pense qu'il faut. On ne joue pas la comédie, je n'irai pas jusqu'à dire ça lorsqu'on plaide, mais il faut avoir ce petit côté-là, pense. C'est ça, c'est quelque chose d'intéressant parce que, comme travail, parce qu'on rencontre des gens de partout. Il faut aimer les gens, probablement. Absolument. Écoutez, si vous n'aimez pas les gens à ce moment-là, ben il y a moyen, à l'intérieur d'un gros bureau, de faire le travail à l'interne. Et on travaille avec des gens, c'est ça notre... Il y a des spécialistes, des avocats, un peu comme en Angleterre. Là. Il y en a qui plaident et il y en a qui préparent les dossiers. Alors, il y a moyen de faire ça ici aussi. C'est quelqu'un qui n'est pas intéressé à plaider, mais qui a une facilité à monter les dossiers ou à faire les recherches, etc. À part du côté déontologie, là, on présume, ça c'est un prérequis, ça prend un certain allure caractériale, un certain caractère, loyauté. C'est évident que faut pas avoir de dossier criminel pour entrer au barreau. Je vous dirais même qu'on a vécu l'expérience récemment, un jeune qui voulait entrer et qui n'avait aucune condamnation, mais quand il était jeune, un jeune immigrant, il y avait quand même beaucoup de démêlés avec la police, mais jamais de condamnation. Et libération, ce qu'on appelle aujourd'hui des absolutions, des retraites plaintes et tout ça. Mais il a dû passer devant le comité du barreau. Et la première année, il a été refusé. Il y a un comité d'admission, justement, pour ça. Et eux, ce n'est pas une question de condamnation, c'est une question de moralité. Alors, pourquoi tu as 3 pages d'accusation, même si tu n'as jamais été condamné, ça veut dire que tu as un petit côté... Il y a un petit côté rebelle, peut-être. Et la première année, ils l'ont refusé. Alors, il ne faut pas être rebelle pour être avocat? Oui, mais il faut pas que ça... faut être discret dans notre rébellion. Mais bon, il a été accepté la deuxième année. Il a fait ce qu'il fallait faire. Il est repassé devant le comité d'admission au barreau et ils l'ont accepté. Peut-être qu'il voulait lui donner un petit exemple, mais le faire réfléchir un peu. Mais c'est un code de conduite qu'on doit respecter pendant toute... Il y a bien évidemment... Au bureau et devant. Comme tout ce qu'il appelle les professions... Libérales. Libérales, merci. On a un code de déontologie à suivre. Et on a de plus en plus d'obligations. Parce qu'aujourd'hui, même à l'intérieur des dossiers, vous savez, ils ont changé le code de procédure civile au Québec le 1er janvier de cette année, 2005. Et on a l'obligation maintenant de négocier, puis même d'aller devant un arbitre ou en médiation, même avant de prendre des procédures. Alors, ils ajoutent des... Il n'y a plus, comme à l'époque, quand j'ai commencé, il y a 30 ans, où on faisait des cachettes, des cacheteries. C'est terminé, ça, aujourd'hui. On doit être transparent, même avec la partie adverse, même avec le procureur de l'autre côté.
Vous rencontrez beaucoup, beaucoup de gens qui traversent des périodes des fois difficiles ou dans la grande majorité des périodes, on n'arrive pas à, parce qu'on est heureux, parce qu'on est content. Il y a toujours quelque chose qui se passe. Est-ce que ça vous affecte les expériences de vos clients en quelque sorte? Il y a beaucoup d'émotions des fois, surtout dans les débats. Oui. Je vous dirais que comme avocat, on prend toujours un petit peu de recul. Justement, une distance, j'appelle ça un recul, mais pour ne pas être affecté justement par le dossier. Mais c'est arrivé, je vous dirais, en 30 ans, ça m'est arrivé dans quelques dossiers où j'étais personnellement, ça venait me chercher. C'est dans quel domaine commercial? Verser des larmes, ça m'est déjà arrivé, mais au moins, je n'étais pas seul dans la salle de cours, même les commissaires sur le banc versaient des larmes ça, aussi. Ça nous encourage, alors il y a des avocats qui ont du cœur. Ah, j'espère qu'il y a des avocats qui ont du cœur, oui, il en reste plusieurs, je pense, du cœur. Nous sommes certains. Oui, oui. Est-ce que... je vous dirais, j'en reviens encore, c'était dans... Une expérience en particulier. Bien, dans le domaine de l'immigration, principalement, je vous dirais, parce que c'est là que ça vient me chercher le plus. Parce qu'on sait, puis c'est pas pour se vanter, mais quand tu réussis à faire accepter quelqu'un, des fois c'est difficile, mais tu sais, pendant les guerres dans certains pays, etc., ou les coups d'État, tu sais que tu es en train de changer la vie de ces gens-là pour toujours. Hein? Pour sa famille. Ces aussi, gens-là qui pensaient être déportés, retournés dans leur pays d'origine d'ici 2-3 mois, on les accepte et vont faire leur vie au Canada. Ça, c'est quelque chose. Puis je pourrais vous donner juste un exemple qui m'a toujours affecté. Même quand j'en reparle aujourd'hui, après 20-quelques années, ça vient me chercher. À un moment donné, je m'en vais chez McDonald's au coin du Palais de justice de Montréal, Notre-Dame et Saint-Laurent. Et la petite fille qui me sert, qui a environ 16 ans, m'a dit, elle me regarde, elle dit, « Vous êtes Maître Quentin? » Je dis, « Oui. » Elle dit, « Vous ne me reconnaissez pas? » Je dis, « Excusez-moi, non. » Elle dit, « Vous avez représenté ma mère, on venait d'Israël. » Comment elle vous a reconnu? La voix, le Elle avait 8 ans à l'époque. Alors, 8 ans après, elle a reconnu l'avocat de sa mère. Elle dit, « Vous nous aviez fait accepter comme réfugiés. » En provenance d'Israël à l'époque, j'étais seul avec ma mère. Et... Alors là, tu te dis, je suis sorti du McDonald's, puis je peux vous dire, il y en avait des émotions, tu sais, parce que tu te dis, comment un enfant de 8 ans peut se rappeler l'avocat de sa mère 8 ans après? C'est là que tu te dis, bon, ben, regarde. Mon travail a servi à quelque chose, je pense, de positif. Hein? C'est sûr que vous avez plusieurs cas comme ça. C'est pas les cas les plus payants, vous comprenez? Oui. Mais c'est les cas les plus enrichissants, je pense. Vous avez aidé beaucoup d'immigrants de s'établir ici au Québec, des au Canada. Des centaines, parce que je ne veux pas dire des milliers, mais des centaines et des centaines, oui. Ouais. De quelle origine? De partout, je vous dirais. J'ai commencé avec l'ex-URSS au départ. Ça s'est adonné comme ça, la Russie, la Biélorussie, de partout. Là, Comment avez-vous trouvé ces gens-là? C'est du bouche à oreille. Écoutez, ma première interprète russe, j'étais au palais de justice dans un dossier matrimonial, puis elle cherchait un avocat. Puis elle me dit, vous n'avez pas besoin d'interprète russe. Et c'est ça, je remonte en 1993. Puis ben, j'ai dit, justement, je viens d'avoir deux dossiers de refuge. Et ça a commencé comme ça. J'ai commencé comme ça en 1993 à faire du refuge. Et c'est du bouche à oreille. Est-ce que c'est en fonction aussi des partis qui sont au pouvoir? Ou... La question à 100 $, monsieur. Ben... Oui, effectivement. Écoutez, on ne dira pas trop fort, là, mais donc, bon, le Parti libéral, c'est le parti qui avait fait entrer, je pense, le plus grand nombre d'immigrants au Canada. Lorsque M. Harper est rentré au pouvoir, je ne pense pas qu'il avait la même vision que le Parti libéral de ce côté-là. Et bon, il a resserré tout ce qu'il y avait comme loi d'immigration fédérale. Et Québec a suivi un petit peu. Alors, Québec suit souvent. Quand on resserre la vis au fédéral, on serre la vis au provincial. Et là, je pense, moi, je vois une ouverture avec le Parti libéral qui est revenu au pouvoir en septembre dernier. Je pense qu'il y a une nouvelle ouverture du côté de l'immigration. Et point de vue délai aussi. Parce que vous savez, là, comme exemple, un parrainage à l'interne qui prenait 2 ans sous le règne de M. Harper, j'en ai fait un en 11 mois là, dernièrement, depuis les nouvelles élections.
Alors, je pense qu'il y a peut-être une ouverture. Dépendant du parti au pouvoir, ça peut changer beaucoup de choses en regard de l'immigration. Après 30 ans, plus de 30 ans de carrière, est-ce que vous avez un rêve caché? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez aimé faire comme... Oui, j'aimerais bien accéder à la magistrature au niveau de la Cour supérieure, en fait, la Cour qui a juridiction pour... faire une histoire courte, bon, je ne sais pas si vous savez un peu comment les cours fonctionnent au Québec. Hein. On a la division des petites créances de 0 à 15 000 $. Après ça, c'est la Cour du Québec. Cour du Québec, oui. Jusqu'à maintenant 85 000 depuis le 1er janvier, hein, ou avant ça, un peu avant. Et la Cour supérieure par la suite, en haut de 85 000, c'est la Cour supérieure. J'aimerais bien accéder à la Cour supérieure, mais ce n'est pas nécessairement facile. Alors, vous voulez être un juge? Oui, j'aimerais bien devenir, finir ma carrière comme juge à la Cour supérieure du Québec. Est-ce que c'est un cheminement quand même difficile ou c'est pas accessible à n'importe quel avocat? C'est-à-dire que c'est... Bon, c'est, je ne veux pas entrer dans les détails profonds, mais c'est qu'il y a beaucoup de demandes, peu d'élus. Comme là, présentement, il en manque 3 à la Cour supérieure du Québec. Mais il n'y en a pas qui ont été élus, sauf un, mais qui est passé de la Cour du Québec à la Cour supérieure, là, depuis la nomination de M. Trudeau comme premier ministre. Alors, tu envoies ta demande qui est étudiée par un comité à Ottawa, le comité à la magistrature fédérale, et après ça, ça s'en va au bureau du ministre de la Justice, et c'est décidé par le ministre de la Justice et le premier ministre du Canada qui sera... nommé à la Cour supérieure, dans mon cas. Et... Monsieur Quentin, voilà. Nous vous remercions de votre présence dans notre studio et nous vous souhaitons la meilleure des chances, bonne continuation et un grand succès. Ben merci. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Et nous vous entendons la prochaine fois avec Maître Quentin. Nous allons aborder des sujets, cette fois-ci, plus pointus comme le divorce, le droit commercial, les contrats et bien sûr l'immigration. Konatunj, l'arrivederci.